Au lendemain de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, Euronews a rencontré Marine Le Pen. La présidente du Rassemblement national souligne le camouflet que représente le retrait d'un poids lourd de l'Union et insiste sur ses envies de changer de l'intérieur l'institution. Alors maintenant, il y a deux solutions. Soit l'Union européenne comprend qu'il y a un énorme problème et arrête de foncer dans le mur, écoute les peuples et participe à la création de cette alliance européenne des nations que nous voulons construire. Soit elle continue avec ses œillères et d'autres pays quitteront l'Union européenne. C'est une certitude. Alors que circule au sein de l'Union l'idée d'une taxe aux frontières extérieures de l'Europe, Marine Le Pen pointe toujours du doigt l'ouverture commerciale des 27. Fondamentalement, l'Union européenne se trompe. Elle est toujours dans l'ultralibéralisme et toujours dans le libre-échange quand le monde entier est en train de rompre avec ce modèle économique. Je l'avais dit, moi ça fait des années que je dis que les Américains vont revenir au protectionnisme, que la Chine fait du protectionnisme, que l'Inde fait du protectionnisme. Et nous, on est toujours avec notre accord de libre-échange, cette gigantesque passoire qu'on a construite. Aujourd'hui, on se rend compte que il va falloir négocier effectivement et peut-être faire également, nous aussi, une forme de protection économique de nos propres pays, ce qui n'a pas été le cas de l'Union européenne depuis des années.